car c'est toi qui mettras ta fondation sur le rocher, la charpente sur le cordeau de justice et le fil à plomb de vérité pour contrôler les pierres éprouvées en vue de construire une bâtisse robuste. Les ornements allégoriques qui figurent sur ce tablier symbolisent, matérialisent les vertus cardinales dont nous devons précisément nous imprégner afin d'en faire bénéficier l'humanité.
Le code Michel rappellera à tous que votre pouvoir tient au labeur que vous avez accompli. Le bijou de la charge, un compas sur un arc de cercle, en serrant un triangle irradié où au centre figure l'œil, matérialise le compas qui pour vous est déjà un symbole connu, mais qui pour un grand maître est ouvert à 45 degrés. Ce segment noir de cercle figure précisément la sagesse que vous avez acquise, à l'aune de laquelle il faudra mesurer toutes vos actions. Le sang vous rappellera que nous sommes tous jugés en haut. Dans la chair du roi Salomon, que vous seul figurez à partir de ce jour jusqu'à une cérémonie prochaine. Que l'équerre soit dans nos cœurs et que la chaîne d'une amitié fidèle nous unisse à jamais. Dans la grande loge et conduire les travaux et la destinée de ceci. Respectable frère et vous tous mes frères, en votre présence, le très respectable frère Ali Bongo Ndimba a été régulièrement installé dans la chaire du roi Salomon selon l'ancien usage et je le proclame maintenant par trois fois à l'Orient, à l'Occident et au Midi grand maître de la Grande Loge Nationale du Gabon, jusqu'à une date fixée par une prochaine élection pour cette Grande Loge, et jusqu'à ce qu'un successeur ait été dûment élu et installé à sa place. Je vous invite maintenant, en vous réglant sur le grand directeur de cérémonie, à le saluer par 11 au signe d'apprenti. Prenez séance, mes frères. Que Dieu habite à l'homme, à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain. Jusqu'à ton retour au sol, puisque c'est de lui que tu as été pris, car tu étais poussière et tu retourneras en poussière, et que la poussière retourne à la terre comme elle en est venue, et le souffle à Dieu qui l'a donné. Vanité, vanité. Voici le règlement de votre grande loge. Je ne saurais trop vous recommander à votre attention, car il ne peut guère s'élever de conflit dans celle-ci, dans ce livre ne contiennent la solution. Je reste à vous aider, mais vous avez à présent tout loisir de nommer les grands officiers et de les investir et continuer votre travail de grand maître installé.
bien-aimés frères, avant de faire cette parole, frère Ancien-Père, nous en donne lecture. Je vous informe que j'ai décidé de nommer par ordonnance 4 grands officiers d'honneur. Grand maître d'honneur, très respectable frère Albert Amina Chagui. Député grand maître d'honneur et très respectable frère Marcel Sangoumou. Jacques Robombé. Marius Fungesh. Par ailleurs, je désigne et j'investis comme député grand maître le très respectable frère Jean Lévin. En présence du grand architecte de l'univers et de cette très respectable grande loge de maçons francs et acceptés, régulièrement tenue, assemblée et constituée, par ceci et sur ceci, je consens à accepter la charge de député grand maître qui m'a été confié par le très respectable grand maître et à en remplir les devoirs fidèlement avec zèle et impartialité et au mieux de mes possibilités. Je promets en outre solennellement d'obéir aux ordres et instructions du très respectable grand maître, de respecter et faire respecter les constitutions, règlements, us et coutumes de cette grande loge, ainsi que de maintenir, défendre et conserver pur et sans tâche les principes et maximes de notre confrérie. Que le grand architecte de l'univers,